Bonjour tout le monde, on va commencer avec la première séance de programmation du cours Bio 632. L'objectif aujourd'hui, ça va être relativement simple. On va se familiariser un petit peu avec VS Code, qui est l'éditeur qu'on va utiliser pour l'ensemble du cours. On va programmer notre premier modèle, et puis on va rajouter un compartiment à ce modèle-là. Donc à la fin de la séance, on aura écrit un programme qui va simuler la dynamique d'un modèle de chémostat. Et dans ce modèle de chémostat, on aura rajouté des consommateurs. C'est le modèle que vous aurez à réutiliser pour le premier devoir optionnel pour vérifier que vous avez acquis toutes les compétences qu'on va développer pendant la première séance. Quand vous ouvrez VS Code pour la première fois, ça ressemble à peu près à ça. Et il y a plusieurs choses qu'on va avoir besoin de faire avant de commencer pour s'assurer que notre environnement de Julia soit à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours travailler dans un dossier. Donc là, j'ai créé un dossier qui s'appelle Chemostat 2, juste parce que j'avais créé Chemostat 1 avant pour préparer les solutions du devoir, donc vous les aurez dans une semaine, je pense. Et donc on va aller dans Open Folder pour ouvrir ce dossier-là. Okay. Ce qu'on va faire maintenant, et c'est ce que j'ai fait au début de la séance, mais on va le refaire pour de faux, c'est d'installer les différents packages et de vérifier que Julia sait qu'on est en train de travailler dans ce dossier-là. Donc pour ça, on va ouvrir notre palette de commandes, qui est majuscule CTRL-P ou un autre raccourci selon votre système d'exploitation. Et on va démarrer le REPL. REPL, ça veut dire Read, Execute, Print, Loop. Et en fait, c'est juste le terminal, c'est ma ligne de commande. On va démarrer notre terminal ici. Et puis, ça va prendre 2 secondes le temps que tout s'installe. Et on va s'en servir pour installer nos packages. Ok, donc quand vous êtes rendu là et que vous voyez Julia en vert avec un carré qui clignote, c'est qu'on est prêt à faire les premières étapes. Dans la majorité des situations, on ne va pas travailler directement dans le terminal. On va s'en servir uniquement pour installer les packages dont on a besoin et ensuite il y a différents environnements qu'on peut utiliser par la suite. Pour activer le mode package, il suffit d'utiliser ce caractère-là, une parenthèse carrée qui se ferme, en tout cas. Quand on est dans le terminal et qu'on appuie sur cette commande-là, notre invite de commande, elle va changer. On va avoir normalement soit chemostat 2, soit v.1.7. En fait, c'est at v.1.7, suivi de package, ce qui nous indique qu'on est dans le mode package. Le terminal de Julia, il a 4 modes. Il y a le mode exécution, qui est celui par défaut, le mode package, le mode documentation, et puis le mode shell, qu'on va pratiquement jamais utiliser. On va commencer par utiliser la commande activate, juste pour être certain que l'on travaille dans la commande qui est dans l'environnement qui correspond au dossier dans lequel on va travailler. Donc, dans mon cas, il est dans classe slash bio632 slash chemostat2. Dans votre cas, il sera probablement ailleurs. En tout cas, peu importe. Il y a une documentation sur le système de package qui est très complète. Je mettrai un lien sur Studium. Pour l'instant, je vous montre les différentes étapes, mais il faudra lire cette documentation, puisque pour la séance de la semaine prochaine, vous aurez à installer quelques packages avant qu'on commence, juste pour vérifier que c'est OK pour tout le monde. Donc, pour ajouter un package, quand on est dans le mode package, la commande s'appelle add, tout simplement, et puis on va ajouter par exemple plot. En vrai, quand vous allez le faire pour la première fois, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Simplement parce que moi j'ai installé les packages avant de commencer. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que l'installation des packages qu'on va utiliser aujourd'hui, ils sont assez lourds et du coup l'installation va se prendre à peu près 10 minutes. Et j'avais pas du tout envie de passer 10 minutes à regarder l'installation des packages se faire. Donc là ils sont déjà installés. Ça ne dit pas de changement. Etc. etc. Les autres packages dont on va avoir besoin, c'est celui qui s'appelle Modeling Toolkit,
pareil. Et puis, on va aussi avoir besoin de ordinary diff hack. On verra après pourquoi. Et le dernier s'appelle la Taxify. Donc là, c'est la version accélérée. Quand vous allez faire ça en vrai, ça va vous prendre une dizaine de minutes. Et puis après, ça va être très rapide. On va pas rentrer dans les détails techniques de pourquoi c'est long la première fois d'installer un package, puis pourquoi après ça va vite. Sachez que la première fois, ça va prendre du temps. Ensuite, ça va être beaucoup plus rapide à faire. Mais ça, une fois que vous aurez fait ça, il y a deux fichiers qui vont apparaître dans votre environnement, dans votre dossier. Le premier s'appelle Project. Et c'est cette espèce de liste qui est le nom d'un package et puis une chaîne de caractères qui est un identifiant unique de ce package. Donc, ce que ça nous dit, ce fichier-là, c'est que ce projet utilise 4 packages, Latexify, Modeling Toolkit, Ordinary Diffhack et Plot. Et le deuxième fichier s'appelle Manifest. Et il commence par une ligne qui dit « Touchez pas ». Éditez pas ce fichier à la main, c'est une mauvaise idée, ça a été généré par une certaine version de Julia. Et ce qui est assez intéressant en termes de reproductibilité, c'est que ce fichier-là, il va aller stocker non seulement les versions spécifiques de chaque package qu'on utilise, mais aussi les versions spécifiques de l'ensemble des dépendances de chacun de ces packages. Donc en fait, on a un environnement qui est parfaitement reproductible parce qu'il est parfaitement documenté. Donc ça, c'est très important de comprendre à quoi ça sert. Et une fois qu'on a compris à quoi ça sert, on ne les touche plus. Et vous n'avez pas besoin d'aller, trafiquer là-dedans. Si vous trafiquez là-dedans, ça va créer des problèmes, c'est sûr. Ce que ça veut dire aussi, c'est que à chaque fois qu'on va commencer un projet, à chaque fois qu'on va commencer une séance, on va créer un nouveau dossier, puis on va installer nos nouveaux packages dedans. Puisque chaque projet est indépendant. Puis travailler avec un projet, c'est vraiment un changement de méthodologie si vous avez l'habitude de travailler dans R, où il n'y a pas cette notion de projet ou d'environnement dans R, en tout cas pas autant. Dans Julia, c'est vraiment un aspect fondamental du langage. Donc quand on commence un nouveau travail, quand on commence un nouvel exercice, quand on commence un nouveau n'importe quoi, on crée un dossier, on active notre environnement et on installe nos packages. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ce dossier-là, on le prend, on l'utilise sur n'importe quel autre ordinateur, on l'envoie à quelqu'un d'autre et on est certain d'avoir les mêmes versions et on peut reproduire les résultats de tout le monde. Ok, ceci étant dit, on va commencer à travailler un petit peu. Et donc ce qu'on va faire, c'est créer notre premier modèle. Pour ça, on va aller cliquer sur un nouveau fichier. Et puis là, on est présenté, on se retrouve avec deux options. Le premier, c'est fichier texte, et le deuxième, c'est Jupyter Notebook. Vous avez probablement utilisé l'un ou l'autre des options. Pour aujourd'hui, on va utiliser un notebook, juste parce que je voudrais vous montrer comment ça fonctionne. Pour le reste des séances, on va probablement utiliser des fichiers texte. Donc on va cliquer sur Notebook, et puis... Ok, notre notebook est en train de démarrer. J'espère qu'il va fonctionner. Vous savez quoi, laissez-moi juste redémarrer VS Code rapidement. Je ne sais pas pourquoi le notebook n'était pas content de redémarrer. Ok. Ok, parfait. On va supprimer ces cellules-là qui servent à rien. Okay. Donc quand on lance un notebook pour la première fois, on a cette espèce d'interface dans laquelle on peut écrire des trucs. Okay. Là, la première chose qu'on va écrire, c'est... Using package, pour dire qu'on va aller utiliser notre environnement qu'on vient de créer avec nos packages dedans. Activate, point, ce qui veut dire active le dossier, active l'environnement en cours. Et donc ça va nous permettre d'avoir accès au package qu'on a utilisé.
Et puis ensuite, on va aller charger nos différents packages. Donc on veut Modeling Toolkit, on veut Ordinary Defac, on veut Plot et on veut Lataxify. Vous voyez pas mon écran? Ah ouais, c'est vrai. Ça devrait revenir. Ok, je vais juste laisser 5 secondes le temps que le stream se remette à jour. Vous devriez voir mon écran maintenant. Ok, c'est bon. Ok, donc, ce que je disais, c'est que les deux premières lignes ici, c'est qu'on va activer notre environnement de développement. Et puis ensuite, on va aller charger nos différents packages. La raison pour laquelle j'ai mis ces deux-là sur la même ligne, c'est que ces deux packages qui font la même chose. C'est ce qu'on utilise pour nos modèles d'équations différentielles. On peut les mettre sur deux lignes différentes, on peut tout mettre sur la même ligne, peu importe, c'est une question de style, on va dire. Ensuite, on va utiliser Plot, et ensuite Lataxify. Chacun d'entre eux font des choses différentes, j'aime bien les mettre sur des lignes différentes. Et une fois que c'est fait, on va exécuter cette cellule. La première fois qu'on va charger nos packages, ça va aussi prendre un petit peu de temps, simplement parce qu'il va falloir les compiler. Mais l'avantage, c'est qu'après, les opérations qu'on va faire par la suite vont être beaucoup plus rapides. Donc pour le moment, on a... qu'est-ce qu'on a, on a ça va prendre à peu près, ça prend à peu près 30-40 secondes, on va dire, de lancer tout ça. Pendant ce temps-là, l'avantage de travailler avec un notebook, en tout cas, peu importe. Ah, on va l'enregistrer au passage. On va l'appeler chemostat.pnb. On va le relancer, évidemment. Ok. L'avantage de travailler avec ça, c'est que pendant qu'il est en train de faire son... pendant qu'il est en train d'exécuter les cellules, on va pouvoir continuer à travailler. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est... l'avantage d'un notebook, c'est qu'on a deux types de cellules. On a des cellules de code, et puis des cellules qui s'appellent Markdown, qui sont essentiellement du texte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est définition des paramètres et des variables. Ouais, c'est un peu gros, ça, on va peut-être se calmer. Ok, mieux, parfait. Et ensuite, là-dedans, on va pouvoir mélanger du texte et puis des lignes de code. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est utiliser la syntaxe de Modeling Toolkit. Et puis la syntaxe de Modeling Toolkit, ben, il n'y a pas de secret, elle est dans la documentation, en fait. Donc un des points importants de ce cours, c'est que vous allez devoir lire une quantité impressionnante de documentation, puis vous allez aussi lire une quantité assez impressionnante de mathématiques. Et puis, c'est la réalité de... C'est la réalité du travail de modélisation. Il va falloir comprendre à la fois le langage mathématique et puis le langage des packages qu'on utilise. Et puis pour ça, vous allez devoir lire de la documentation. Lire de la documentation, c'est horrible. En général, parce que c'est écrit par des gens qui connaissent très bien le package qu'ils sont en train de documenter. C'est pas forcément très clair. Et donc la façon de lire de la documentation, je vous le dis maintenant pour vous économiser des heures de frustration, c'est d'essayer de reproduire en même temps ce que vous êtes en train de lire. Donc si vous lisez de la documentation en disant voilà comment on documente, voilà comment on définit des paramètres dans un modèle, dans un Modeling Toolkit, ben, gardez un terminal Julia ouvert et puis faites-le. Et si vous avez des problèmes, essayez de voir à quel moment ça coince. N'oubliez pas que le groupe Discord, il sert à ça aussi. Vous pouvez aller expliquer ce que vous avez comme problème. Et puis on va les résoudre de manière collective. Ok, donc pour définir notre modèle, on a besoin de paramètres. Dans la première capsule vidéo sur le modèle de Chemostat, on a parlé de la différence entre les paramètres et les variables. Le premier paramètre, évidemment, c'est le temps. On va appeler ça T.
Pourquoi est-ce que le temps, c'est un paramètre? Ça ne va pas être extrêmement important dans cette séance, mais ça va être assez important que le temps, ce soit un paramètre quand vous allez faire le devoir optionnel sur le modèle de Chemostat avec des entrées qui ont une fluctuation temporelle. Donc on va définir le temps comme étant un paramètre. Qu'est-ce qu'on va définir d'autre? On va définir S bar, qui va être notre deuxième paramètre, qui est la quantité maximum, donc la contenance du chémostat. On va exécuter ça. La première fois qu'on exécute une fonction dans Julia, ça va être compilé. Donc ça va être un petit peu plus long. Là, on va regarder combien de temps ça prend. Ça va prendre ça prend 15 secondes à peu près, peut-être plus, je ne sais pas. Ça va prendre un certain temps qui peut vous paraître un peu déraisonnable, mais l'idée c'est que... Ok, donc ça a pris 20 secondes. La deuxième fois qu'on fait ça, ça prend 0,6 secondes parce que c'est déjà compilé. La raison pour laquelle j'aime bien travailler avec des notebooks, avec Modeling Toolkit, c'est que au lieu d'avoir la sortie sous forme de code, on a directement la représentation mathématique de notre sortie. Donc là, on a un vecteur de paramètres qui est t et puis s bar. Alors, pour une raison que j'ignore, il n'aime pas tellement que la barre soit sur la lettre. La barre, elle devrait être sur la lettre. Là, il la met à côté. Ah, c'est pas très grave. Ça, c'est notre premier paramètre. Notre première instruction qui dit définir les paramètres, le temps, la quantité maximum de substrat. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est définir les variables. Et dans le modèle de Chemostat, la seule variable qu'il y a pour le moment, c'est la quantité de substrat. Ceci dit, la quantité de substrat, elle a une caractéristique particulière qui est qu'elle est définie en fonction du temps. Et donc, on a besoin de définir une seule variable qui est la quantité de substrat en fonction du temps. Et on utilise ce at quelque chose ici. Là, c'est le moment où je voudrais introduire une différence assez importante entre le langage de programmation en lui-même. Et puis ce qu'on appelle les DSL, les Domain Specific Language, qui sont des choses qu'on construit par-dessus un langage de programmation. Donc un exemple avec lequel on peut ne pas être d'accord, vous avez R de base, et puggy vous avez quelque chose comme ggplot, qui est un langage spécifique à la création de figures. Là, ce qu'on est en train d'utiliser, c'est la même chose. C'est un DSL, un Domain Specific Language, et puis le domaine auquel il s'adresse, c'est la modélisation de système d'équations différentielles. Donc pour l'instant, on n'est pas en train d'utiliser vraiment le langage. Ça va venir. On va écrire des boucles, on va écrire des ifs, on va écrire des fonctions, on va parler des types un petit peu plus tard. Mais pour le moment, on utilise un package qui fait toutes ces abstractions pour nous. Et donc ça nous arrange bien parce que le modèle qu'on va écrire, il va prendre une dizaine de lignes. S'il avait fallu qu'on fasse tout à la main, ça en aurait pris, je ne sais pas, 80, 90. Et donc on a un package qui nous simplifie énormément la tâche. Une fois qu'on a défini nos paramètres et nos variables, on a besoin de définir une autre bloc dans notre modèle. On va dire que on va créer une opération cette fois qui s'appelle D. Et cette opération D, ce que ça va représenter, c'est la différentielle par rapport au temps. Donc rappelez-vous, dans la première capsule vidéo, quand on parlait du modèle, on avait d sur dt, et puis d sur dt, c'était une opération qui définissait le changement par rapport au temps. Question dans le chat, est-ce qu'il faudrait aussi rho? Oui, très juste, il faudrait absolument aussi rho, qui est le taux d'entrée et de sortie du chémostat. On va réexécuter ça vite fait. Je ne sais pas pourquoi il est en train de... En tout cas, la barre sur le S... Ça lui plaît pas trop, mais c'est pas grave. Ok. Donc là, on a défini les paramètres, on a défini les variables, et on a notre opération de base qui est la différentielle par rapport au temps. Et donc, c'est le moment de définition des équations. Ok. Donc, le système d'équations qu'on a pour le chémostat, il est assez simple. Okay. Et on va l'écrire dans des square brackets, dans des crochets. Parce que par défaut, on considère que c'est un système d'équations différentielles. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Rapidement, il y en aura deux, trois, éventuellement quatre. Ça dépend des modèles sur lesquels on va travailler.
Et donc, ce qu'on va écrire, c'est que la différentielle de s, donc là, ce que ça représente, c'est d de s sur dt. Tilde, pourquoi ça utilise tilde et pas le égal? Parce que c'est pas un vrai égal. C'est une décision de, c'est un choix qui a été fait par les personnes qui ont écrit le package Modeling Toolkit. On utilise tilde ici. Donc d de s sur dt, c'était rho fois s bar moins rho fois s. Donc d de s sur dt, c'est égal à ce qu'on a en entrée dans le chémostat moins ce qu'on a en sortie du chémostat. On va exécuter ça et puis ça va créer notre, notre système d'équation qui est un système avec une équation pour le moment. Là encore, ça nous envoie notre, ça nous renvoie notre, notre équation sous sa forme mathématique. Le s bar, il y a juste un problème avec la barre qui se déplace d'une variable à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas du tout important. Quand vous aurez la capsule vidéo pour la correction du devoir optionnel, vous verrez que ça fait la même chose. En tout cas, peu importe. Ok. Donc là, on a défini nos équations et on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la définition des valeurs initiales. Donc, pour définir nos valeurs initiales, ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer un objet, on va l'appeler U0, ici. Et puis, on va donner la valeur initiale de S. Donc, on va dire qu'on a 0,5 unités de substrat. Question sur le chat, Julia a l'air d'être lent parfois sur VS Code. La première fois que vous faites quelque chose, c'est long à cause de la compilation. La deuxième fois que vous faites quelque chose, c'est très rapide. Et j'ai pas tellement de. En fait, ce qui serait utile, c'est juste de prendre les. C'est de prendre les. D'essayer d'estimer le temps que ça prend de faire ces différentes opérations. Donc, quand on aura écrit l'ensemble du code, si vous me dites ça prend 20 minutes à tourner, il y a un problème. Mais normalement, c'est très rapide. Vous verrez qu'avec. Avec ce système-là, on peut faire des dizaines de milliers de réplicas de notre modèle. C'est pratiquement instantané. Si vous utilisez un notebook, comme ce qu'on est en train de faire ici, c'est toujours un petit peu plus long, parce qu'il y a toute une couche supplémentaire. Mais normalement, VS Code n'est pas plus lent que d'utiliser Julia directement dans le terminal. Ok, donc revenons à nos moutons, nos substrats. Là, ce qu'on a défini, c'est des valeurs initiales des variables. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on est en train de faire l'intégration d'équations différentielles, il faut qu'on ait une valeur au début, en fait. Donc, au début de la simulation, on va considérer qu'il y a 0,5 de substrat. On peut réfléchir aux unités. Qu'est-ce que c'est les unités de ça? Ça peut être une concentration, par exemple. Pour le moment, on ne va pas tellement se poser la question. On va juste accepter que c'est une valeur qui va changer au cours du temps. La prochaine chose qu'on a besoin de faire, c'est de définir les valeurs des paramètres, cette fois. Donc, les valeurs initiales, c'est les valeurs initiales des variables. Puis ça va changer au cours du temps. Les valeurs des paramètres, elles vont rester les mêmes, à peu près tout le temps. Je vais juste rajouter une cellule ici, puis la définition des valeurs initiales. Et je vais rajouter une autre cellule ici, qui est... définition des valeurs des paramètres. Ok, donc les deux paramètres qu'on a besoin de définir, le premier c'est s bar, on va dire que c'est 2, avec 2 ça marche, et rho on va dire que c'est 0,2. On va exécuter ça, et puis on a nos deux, on a notre vecteur de valeur des paramètres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas défini de valeur pour t? Parce que t, c'est le temps. Et donc, le temps, il va changer. C'est une variable, c'est un paramètre qui est utilisé en interne par le package pour intégrer les équations dans le temps. U0, ça, c'est bon. P, c'est bon. La prochaine chose qu'il faut qu'on fasse, c'est définition. Pardon. De l'intervalle de temps
Et ça, on va l'appeler testPan. Et on va dire qu'on va aller de 0 jusqu'à 100, peu importe. En tout cas, là, ce que ça nous dit, c'est qu'on va partir notre simulation à T0 et qu'on va aller jusqu'à T100. Le nombre exact de pas de temps qu'on va faire à l'intérieur de ça, c'est pas nous qui allons le décider. C'est une décision qu'on serait pas forcément bien placé à prendre. Ça va dépendre de la structure mathématique du problème qu'on est en train de résoudre, c'est-à-dire la dynamique du chémostat. Et le package Modeling Toolkit va déterminer les meilleurs pas de temps pour faire ça. Il y a des arguments supplémentaires pour retourner, par exemple, tous les 1 pas de temps ou tous les 2 pas de temps. Si on veut faire des comparaisons entre des séries temporelles, on utilisera ça quand on va parler notamment de dynamique épidémique. On va l'utiliser beaucoup pour comparer la différence entre les scénarios. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc on va juste dire, je veux que ça aille de 0 jusqu'à 100. Puis à l'intérieur, débrouille-toi, c'est pas franchement mon problème de savoir à quel pas de temps les résultats sont retournés. Définition d'intervalle de temps, qu'est-ce qui nous reste? Oui, voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... on va préparer les équations. Donc la préparation des équations, c'est... on va juste transformer ça en modèle, en fait. Donc ce modèle, on va lui donner un nom. On va l'appeler chémostat. Et puis ce que ça va être, c'est un objet de type ODE système, donc système d'équations différentielles ordinaires. Quand on va commencer à rentrer dans le détail, c'est quoi la différence entre une équation différentielle ordinaire ou partielle, là, éventuellement stochastique à un moment. On verra la différence entre tout ça. Dans 99% des exemples, on va utiliser des systèmes d'équations différentielles ordinaires. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre objet équation, celui qui est défini ici, et on va le transformer en système d'équations avec un nom. Donc on est en train de créer un modèle qui s'appelle chémostat. Ça encore, c'est des... Ah ouais. Ah, ok. Égal. Ça encore, c'est des fonctions qui sont offertes par le package Modeling Toolkit. Donc il y a de la documentation qui est qui va falloir aller regarder. Mais c'est des choses qui sont assez bien expliquées dans Modeling Toolkit. Au passage, quand vous êtes dans VS Code, vous avez un onglet ici qui s'appelle Julia. Et dans cet onglet, il y a une option documentation. Donc si vous voulez aller regarder la documentation pour named, vous allez avoir les différents exemples et à quoi ça sert qui vont s'afficher ici. Voilà. Sachez juste que vous avez l'option ici. Bon. Ce qui est utile, c'est qu'on va vérifier que notre modèle est toujours écrit comme il faut. Donc c'est rho fois s bar moins rho fois s de t. Notre modèle d'équation différentielle, il est OK. La prochaine chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de définir le problème qu'on va résoudre. Donc là, on a l'impression qu'on est en train de redéfinir plein de fois la même chose. En fait, il y a des différences assez subtiles ici qui font que, en pratique, non. Et je vais expliquer pourquoi. Ok. Donc là, ce qu'on veut avoir maintenant, c'est un problème. Donc la différence entre un système et un problème, c'est la quantité d'informations dont on dispose. Un système, il est défini par des équations qu'on met dedans. Donc le problème qu'on veut résoudre, une partie du problème, c'est ces équations. Donc c'est notre objet chémostat. La deuxième partie du problème, c'est les valeurs initiales. Donc en fait, si on a des valeurs initiales qui sont différentes, on est en train de résoudre un problème qui est différent, même si c'est le même système. La deuxième composante du problème, c'est le pas de temps. Donc intégrer quelque chose entre 0 et 500, ou entre 0 et 100, c'est deux problèmes qui sont différents. Et le dernier, c'est les paramètres, donc les valeurs des paramètres. On va exécuter tout ça, et ça va nous donner, cette fois pas les équations, si je me souviens bien, ça va nous donner un résumé du problème qu'on s'apprête à résoudre.
Ok, ça c'est assez long parce que il y a derrière en fait il y a une machinerie vraiment extrêmement compliquée dont l'objectif est de prendre les meilleures décisions possibles par rapport à nos problèmes pour nous. Donc il y a énormément de packages qui sont en train de faire leur travail là, qui sont en train d'analyser notre problème, qui sont en train d'analyser les valeurs initiales, les paramètres qu'on a demandé, le type des variables qu'on a passé. Et la première fois qu'on va créer notre problème, ça va être assez long. La deuxième fois, tous ces packages-là, ils sont compilés, les fonctions sont compilées, ça prend 0,3 secondes. On a de l'information ici qui est, on a un problème d'équation différentielle ordinaire. Le U-type, c'est le type des valeurs initiales. Donc c'est un vecteur de nombre à virgule flottante sur 64 bits, en tout cas peu importe. Plein d'autres informations qui sont documentées dans Modeling Toolkit. Et donc tout ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas un message d'erreur et que donc on est prêt à passer à la suite. Donc la suite, ça va être résolution du problème. Pour résoudre notre problème, on va appeler la solution, tout simplement. Et on va utiliser la fonction qui s'appelle résoudre. Problème. La fonction résoudre, elle a besoin d'un deuxième argument qui est l'algorithme d'intégration numérique qu'on utilise. Donc si vous avez déjà fait des cours de dynamique des populations, vous avez vraisemblablement utilisé, même sans le savoir, des algorithmes d'intégration numérique. Vous avez peut-être entendu parler de choses comme l'algorithme de Runge-Kutta, ODE45, en tout cas peu importe. Celui qu'on va utiliser ici, c'est TST5. Il y en a des algorithmes d'intégration numérique, il y en a des dizaines qui ont à peu près tous des comportements vraiment très spécifiques pour certains types de problèmes. On n'est pas obligé de spécifier lequel on utilise, si je me souviens bien, je ne sais pas en fait, on va vérifier ça. Ah, non, il faut. Donc, si on veut que le package prenne la décision de l'algorithme d'intégration pour nous, il faut qu'on installe un package qui s'appelle Differential Equations, qui va faire une espèce d'analyse du problème pour nous. Là, on ne va pas l'installer, on va choisir TST5, qui, par défaut, en général, se passe assez bien. Pour ce problème-là, fonctionne très bien. Donc là, pareil, on est en train de compiler tout ça. C'est assez long, etc., etc. Et puis, ce que ça nous dit, c'est la première ligne qu'on va regarder, c'est success ou failure. Okay. Donc, si c'est success, ça veut dire que notre problème, il s'est bien comporté d'un point de vue mathématique. Donc, il n'y a pas eu de moment dans le temps où la taille du changement était trop grande par rapport à la taille maximum du changement temporel qu'on autorisait. Le comportement des algorithmes d'intégration numérique, c'est quelque chose de très complexe. Si ça marche ici, c'est bien. Si ça marche pas, c'est probablement qu'on a utilisé un algorithme qui est trop grossier ou trop permissif, et du coup, il faut en essayer d'autres. Pour ce qu'on va faire, TST5, ça fonctionne très bien. Ok. Donc maintenant qu'on a notre solution, on va pouvoir utiliser. On va faire une petite analyse ici, visualisation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer rapidement le thème. Pas parce que c'est super utile, mais parce que le thème par défaut il m'énerve. Et on va utiliser le package plot ici pour faire. Un plot de la solution avec une bonne résolution si possible. Okay. Donc là, vous remarquerez qu'on n'a pas besoin de faire plot à x égale y égale etc. simplement parce que dans Modeling Toolkit, il y a des fonctions qui vont redéfinir le comportement de plot par rapport à quand on lui donne un objet qui est la solution d'un système d'équation, d'un problème d'équation différentielle. Et donc c'est beaucoup plus rapide d'écrire plot de solution.
Question sur le chat, comment on sait quel algorithme on choisit sans utiliser le package suggéré tout à l'heure? La réponse, c'est on utilise le package suggéré tout à l'heure, simplement parce qu'il a toute une série d'heuristiques pour prendre les bonnes décisions. Et à l'heure actuelle, il n'y a à peu près aucun autre environnement pour résoudre les équations différentielles qui est aussi performant que celui-là. Ceci dit, il y a aussi des tableaux. Il y a des tableaux où le comportement des différents algorithmes, il est décrit. Et des fois, il peut y avoir des contraintes comme un algorithme qui est très très performant, donc qui fait très peu d'erreurs sur notre problème et aussi très long. Si on a des modèles un peu complexes. Donc quand on fait des simulations de réseaux trophiques, par exemple, et qu'on a 300 ou 400 espèces, ben on a un système de 300 ou 400 équations différentielles à résoudre. Des fois, on est prêt à accepter un petit peu plus d'incertitude sur les résultats pour que ça se fasse en 2 heures au lieu de 15, les simulations. Mais dans la pratique, on utilise le package Differential Equations, puis on le laisse choisir le meilleur algorithme pour notre problème. Ok, donc là, on a notre plot. Mettre un petit box autour, voilà, comme ça c'est joli. Et puis vous remarquerez qu'il nous a mis les légendes automatiquement. Et donc là, ce qu'on a, c'est S en fonction de T sur les 100 premiers pas de temps. Donc on est parti à T0 avec une valeur de 0,5, et puis on est arrivé à T100 avec une valeur qui est de 2. En fait, on peut vérifier, mais c'est 1,99999, etc. Et c'est effectivement la valeur de S bar. Ok. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a rempli notre chémostat. Okay, ça, on a décrit un modèle. Okay, on a un chémostat qui a un taux d'entrée et de sortie qui est rho. Il a une capacité en substrat qui est S bar. Puis quand on part avec 0,5, donc il y a un quart du chémostat qui est rempli et qu'on laisse au cours du temps, voilà ce qui se passe. Ça, c'est un modèle d'équation différentielle. Évidemment, il n'est pas super intéressant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est un consommateur. Avant de rajouter un consommateur, j'aimerais qu'on fasse un petit interlude. Parce qu'il va falloir qu'on définisse quelque chose ici qui est assez important, qui est ce qu'on appelle la réponse fonctionnelle. Donc la réponse fonctionnelle, La réponse fonctionnelle, vous en avez probablement déjà entendu parler quand vous avez pris vos cours de dynamique des populations, mais c'est comment la densité du consommateur et de sa ressource interagissent pour déterminer qu'est-ce qui est consommé au final. Donc celle qu'on va utiliser pour ce cours-là, c'est une réponse fonctionnelle de type Michaelis-Menten. Et la réponse fonctionnelle de Michaelis-Menten, on va l'écrire rapidement. Est-ce que je peux mettre des équations? Je pense que oui. On va l'écrire rapidement ici. La dérivée en fonction du temps du produit d'une réaction enzymatique, c'est égal à... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est égal à la vitesse maximum de conversion fois la quantité de substrat divisée par la quantité de substrat plus la constante de Michaelis. Ouais, parfait, magnifique. Bref, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est consommé au cours du temps, le changement dans la consommation, ça va dépendre d'une première un premier paramètre qui est la vitesse maximum à laquelle on consomme. La quantité de matière à consommer, ce qui est S, divisé par S plus cette variable K. Et la constante de Michaelis, elle a une définition qui est assez simple, qui est que quand il reste K substrat dans notre milieu, la vitesse de consommation, c'est égal à Vmax sur 2. Si vous voulez vérifier ça, vous pouvez remplacer K ici par S. Et donc on a S sur 2S, ce qui simplifie comme étant 1 sur 2. Et donc quand on a une quantité K de substrat qui reste, on consomme à la moitié de la vitesse maximum, qui est là, donc la moitié de Vmax. Ça, c'est une des réponses fonctionnelles qu'on utilise en écologie. Il y en a d'autres, il y a les réponses de type 1, type 2, type 3. J'ai mis un article sur Studium
un article de 1959 écrit par Holling qui a plus ou moins inventé slash modernisé l'étude des réponses fonctionnelles. Et donc il y en a toute une série qui sont extrêmement importantes. Michaelis-Menten, ça fonctionne assez bien pour des choses comme des bactéries qui consomment une ressource. Donc les consommateurs microbiens, ils vont en général se comporter d'un point de vue cinétique comme c'était une réaction enzymatique. Okay, donc on sait ce qu'on va utiliser, puis l'avantage c'est que c'est très simple à programmer. Donc là, on a besoin de réécrire un petit peu nos équations, parce qu'on va vouloir ajouter notre consommateur. Donc, on a notre variable s de t, et puis on va rajouter un consommateur qui s'appelle n. Okay, donc là, ça ne change pas grand-chose, mais au lieu d'avoir un système avec une seule variable ici, maintenant on a un vecteur de deux variables, s, le substrat, n, le consommateur. Là, on va avoir besoin de définir de nouveaux paramètres, évidemment. Donc on va garder t, on va garder s bar, on va garder rho. Et là, on a besoin de trois paramètres différents, croyez-le ou non. Le premier paramètre, ça va être la constante de Michaelis, donc k. Quelle quantité de substrat est-ce que les bactéries vont consommer à la moitié de leur vitesse maximum. On va avoir besoin d'un paramètre qu'on va appeler gamma, qui est la vitesse maximum à laquelle les bactéries vont consommer leur substrat. Et puis, on va avoir besoin d'un paramètre qu'on va appeler epsilon. Et epsilon, c'est l'efficacité écotrophique, c'est-à-dire l'efficacité quand on a prélevé une unité de substrat, de transformer ça en une unité de bactéries. Encore une fois, on est assez imprécis sur la définition de nos unités, mais c'est pas très grave pour le moment. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier un peu la vie. C'est pas des variables, c'est des paramètres. Et on va définir un petit tableau ici. Donc notre premier paramètre, c'est en fait, il faut les écrire dans l'autre sens, peu importe. S bar, on a dit que c'était 2. Ouais, on a dit que c'était 2. La capacité, ouais, c'est ça. S bar, c'est 2. Rho, on avait dit que c'était 0,2. Qu'est-ce qu'il faut qu'on définisse aussi? K, on va dire que c'est 4. Gamma 0,75 et puis epsilon 0,25. Ok, pourquoi ces valeurs-là et pas d'autres? Excellente question, sentez-vous libre de faire changer ces valeurs et puis de regarder le comportement du modèle. Il y a des paires de valeurs qui ont un comportement extrêmement intéressant. Vous aurez après la deuxième séance sur la théorie, un devoir optionnel à faire qui va vous permettre de comprendre les relations entre une partie de ces valeurs. Pour l'instant, faites-moi confiance, c'est celle qui donne un résultat qui nous intéresse. Du coup, on va pouvoir redéfinir un peu nos différentes constantes, nos différentes variables, pardon. Donc S, on va toujours partir avec 0,5. N, on va partir avec 0,1, on va dire. Et puis P, là, il faut qu'on redéfinisse tout ça. Je vais juste aller chercher la définition de P qu'on avait ici. Ok, parfait. Rho égale 0,2, K égale 4, gamma égale 0,75, et puis var epsilon égale 0,25. Ok. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire nos équations avec notre consommateur dedans. Donc, encore une fois, on peut repartir du modèle d'équation qu'on avait écrit tout à l'heure. Il est où? Il est là, parfait. Alors, je vais juste cette partie-là.
Donc D de S à la différentielle de S en fonction du temps, c'est toujours le taux d'entrée du chémostat moins le taux de sortie du chémostat moins... Bah c'est là qu'il faut qu'on fasse intervenir notre réponse fonctionnelle de Michaelis-Menten. Donc le taux de consommation ici, c'est ça va être gamma fois S divisé par S plus K. Et ça, c'est multiplié par la quantité de bactéries qui vont aller effectivement consommer ça. Laisse-moi juste un instant de vérifier quelque chose. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Le paramètre qu'on a introduit, le paramètre epsilon, ce qui nous apprend essentiellement, c'est que ce processus de consommation-là, il est imparfait. Autrement dit, pour créer une unité de bactéries, il faut consommer une quantité de substrat qui n'est pas égale à 1. Et donc, on va multiplier ça par var epsilon. Là, on rajoute une deuxième équation, D de n. Et donc D de n, c'est égal à ben, qu'est-ce qui est créé? La quantité de bactéries qui est créée, c'est ça. Là, on ne multiplie pas par epsilon, parce que epsilon, il est déjà rentré dans le modèle, dans l'équation de S. Donc la quantité de matière qui est perdue, elle est déjà perdue. Moins rho fois n. Pourquoi est-ce qu'on fait moins rho fois n? Simplement parce qu'on est dans un chémostat, et donc le flux sortant, il fait sortir du substrat, il fait aussi sortir des bactéries. Donc on va compiler notre petit modèle, pardon, système d'équations, et donc on peut vérifier que on a bien... Bon, il y a une série de décisions qui ont été prises pour réorganiser les différents termes là-dedans, mais on a l'entrée dans le chémostat, rho fois S bar, plus ce truc-là, plus un terme qui est négatif en fait, donc ça c'est la sortie, la perte de substrat par consommation des bactéries, moins la sortie du chémostat. Puis dans la croissance des bactéries, on a bien le terme ici qui correspond à la dynamique de type Michaelis-Menten, moins la sortie des bactéries par le chémostat. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner un nom, on va l'appeler chémostat... consommateur, et c'est un ODE système, et les équations qu'on met dedans, c'est équation consommateur. Parfait, on a les mêmes équations. Excellent, on va pouvoir passer à la définition du problème. Donc la définition du problème, c'est ODE problème. Le problème qu'on utilise, c'est chémostat consommateur. On va lui redonner tout ça. Donc on aurait pu changer U0 et l'appeler U0 consommateur, P consommateur. Si on avait voulu être très très propre, on aurait fait ça. Mais bon. On va lui donner un petit span et puis P. Et puis, donc là, pareil, il est en train de transformer notre problème en problème d'équation différentielle qu'on va pouvoir résoudre. Dernière étape. C'est d'aller chercher la solution. Okay. Donc là, la solution, ça va être exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant avec cette syntaxe. C'est qu'on va lui donner... pas du tout. On va lui donner un problème consommateur... et TST5 comme intégrateur. Là, c'est la première fois qu'il résout le problème. Il y a toute cette étape de prendre un petit moment d'introspection pour savoir ce qui est en train de se passer. Et puis, la première fois, ça prend 8 secondes à résoudre notre problème. La deuxième fois, ça prend très peu de temps. La majorité du temps est passé à retourner l'information sous forme de texte. Au notebook. Si on met un point virgule à la fin, voilà, ça, on a enlevé 0,6 secondes juste en n'affichant pas le texte. Ok, solution consommateur, et puis on va faire la même chose que tout à l'heure, on va faire un plot
de cette solution. Consommateur, DPI égale 600, frame equal box. Et là, on va avoir notre plot qui va apparaître. Parfait. Donc là, le comportement du modèle, il a changé de manière assez substantielle, simplement parce qu'avant, on avait du substrat. Maintenant, on a un truc qui va bouffer le substrat. Et donc, ben, la quantité de substrat, elle va diminuer. Là, ce qui se passe, c'est que notre substrat, il commence à 0,5. Et il augmente jusqu'au moment où il est presque à 2. Puis là, il y a beaucoup de substrat. Et donc, notre consommateur, il va augmenter assez rapidement. Puis plus il augmente, ben plus il a un effet négatif sur la quantité de substrat, simplement parce que il va en prélever beaucoup. Ceci dit, si on regarde la dynamique temporelle de notre modèle, ça continue encore à varier après nos 100 pas de temps. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est ok, on a fait notre intégration numérique de 0 jusqu'à 100, mais c'est pas suffisant. Donc on va aller changer tspan ici. On peut le changer directement au lieu de mettre une variable. Et on va aller entre 0 et 500. On va refaire la même chose, intégrer entre 0 et 500, et puis cette fois, on va aller visualiser ça. Ok. Donc là, ce qu'on a, avant, c'était arrêté ici, t égale 100. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avant que le système se stabilise, il faut attendre à peu près 250 pas de temps. Donc juste pour qu'on voit bien la dynamique, on va se mettre un petit 250 ici à la place. Voilà, on va réexécuter ça. Magnifique. Et donc ce qu'on a ici, c'est la dynamique du substrat qui augmente. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de substrat, donc il y a beaucoup de consommation. Ce qui fait que ça finit par diminuer. Et puis, à un certain temps, le consommateur a atteint la capacité maximum qu'il est capable d'atteindre d'après les paramètres de ce modèle-là. Dans 2 semaines, je pense qu'il va y avoir un devoir optionnel à faire qui va être de calculer analytiquement, avec un papier et un crayon, les valeurs exactes de l'équilibre en fonction des paramètres. Ça va demander qu'on introduise plusieurs notions conceptuelles avant, mais vous allez pouvoir exprimer d'avoir une formule qui vous donne la valeur de ces deux composants du modèle à leur équilibre. Puis encore un peu plus tard, on sera capable de quantifier cet équilibre de manière beaucoup plus claire. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première simulation à partir de notre modèle. Il nous reste un petit peu de temps. J'avais prévu un tout petit peu plus de temps que ça. Donc là, ce qu'on va faire pour voir, c'est qu'on va installer le package Differential Equations. Qui était peut-être déjà installé, je pense. En tout cas, on va voir. Il y a quelques packages comme ça qui sont assez... qui sont très complexes et qui donc prennent du temps à installer. Les packages de machine learning aussi, en général, ils vont prendre quelques minutes d'installation. Je pense pas que ça devrait prendre beaucoup plus que... En tout cas, j'allais dire beaucoup plus que 30 secondes, je me suis trompé. C'est pas très grave. Donc, la raison pour laquelle ça prend du temps, on va utiliser ce temps-là pour en discuter, c'est que les packages de Julia, ils sont pré-compilés une première fois pour être plus rapides les fois suivantes. Donc la première fois qu'on fait quelque chose, la première fois qu'on installe un package, il va être téléchargé, puis il va être compilé. Et c'est la version compilée qu'on va utiliser par la suite. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet aussi de réutiliser la version compilée. Si on utilise la même version du package dans différents projets, on n'a pas besoin de le réinstaller plusieurs fois. On va juste l'installer une fois et puis il va aller chercher la version qui est déjà là. Et puis ça permet aussi, quand on va aller le charger la première fois, ça va finir la mise en place du package et ensuite c'est beaucoup plus rapide. C'est ça. Puis Differential Equation, c'est vraiment une grosse bête. Il y a énormément de choses dedans. La documentation est assez fantastique dans le sens où non seulement ça vous apprend des choses sur le package, mais vous allez aussi apprendre beaucoup de choses sur ce que ça représente mathématiquement, puis dans un ordinateur, à quoi ça ressemble un système d'équations différentielles.
pas le truc que vous allez lire en tant que loisir. C'est pas super fun comme lecture, mais c'est extrêmement complet et c'est extrêmement instructif de les lire. Ok, je ne sais pas exactement où il en est dans son processus là. Ça fait 2 minutes, en tout cas c'est pas très grave. Une fois que notre package il sera. On va prendre un petit peu d'avance et puis on va écrire le code qu'on va utiliser par la suite. Une fois que le package il sera chargé, on va avoir besoin de le charger. Et puis on va se créer une nouvelle ligne ici. Et ce que ça devrait nous permettre de faire, c'est de résoudre le problème. Consommateur, il s'appelait, sans donner d'algorithme ici. Donc en fait, on va reprendre cette ligne et au lieu de spécifier TSID5, on va pas spécifier d'algorithme pour la résolution. Alors, on va peut-être guess méthode, en tout cas, peu importe. Et puis, on va laisser le package faire son travail à notre place. Bon, differential equation, c'est long à installer. L'avantage, c'est que vous avez juste besoin de le faire une fois. Il y a quelques autres packages comme ça qu'on va utiliser dans les prochaines séances. On va utiliser. Qu'est-ce qui est long? Zygote. On va utiliser Symbolics qui prennent tous quelques minutes à installer. Une fois que vous les avez installés, vous êtes tranquille. Après, si vous êtes comme moi, pas forcément patient, c'est un supplice total. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine, parce qu'après, on n'a plus besoin de réfléchir à quel algorithme on utilise. Ok, parfait. 3 minutes 44 pour l'installer. C'est un très gros package. Hop, on va l'emmener dans notre environnement avec using. Pareil, là, ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu long parce qu'il va falloir précompiler tout ça, 10 secondes. Et là, maintenant, c'est l'heure de vérité. Voyons voir quel algorithme il nous recommande pour ce problème-là en particulier. Parfait. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Ok. Ouais, j'ai une question dans le chat, je vais y répondre juste après. Donc là, la méthode qu'il a choisie, en fait, c'est une méthode spécialisée de quatrième ordre à stiffness aware. Vous irez voir dans la documentation tout ça ce que ça veut dire. Mais donc il a utilisé un algorithme qui est pas TSD5. Est-ce que ça change quelque chose à la forme de la solution? Probablement pas, parce que c'est un problème extrêmement facile à résoudre, celui-ci. Ouais, ça change strictement rien à la forme de la solution. Avant de répondre à la question qui est dans le chat, je voudrais vous montrer quelque chose d'autre, qui est que on peut représenter une variable par rapport à l'autre. Donc, dans la documentation de Modeling Toolkit, c'est assez expliqué. Mais on peut faire un plot qui, au lieu d'être les variables au cours du temps, sont les variables les unes par rapport aux autres. Et donc là, ce que ça nous donne, c'est la valeur de s par rapport à la valeur de n. Donc on voit qu'on part à s égale 0,5 et n égale 0,1. Et qu'au début, on a une augmentation de la quantité de substrat jusqu'à presque 2. Et puis après, on a une diminution de la quantité de substrat en même temps que la quantité de bactéries augmente, c'est que ça finit par s'arrêter sur ce point. Ça, vous allez bientôt être capable de calculer exactement où il se trouve. Okay, la question, c'est si le formatage avec Julia Formateur, ça prend 20 minutes juste pour quelques lignes. Ouais, il y a clairement un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une session de partage d'écran un petit peu plus tard, à la fin de la séance, et essayer de voir pourquoi ça bloque. Appliquer Julia Formateur sur un document, ça devrait prendre 3 secondes à peu près. Donc il y a un autre problème que ça. Ok. On a fait le tour.
de ce que je voulais couvrir pour la première séance. Donc, juste pour revenir en fait au tout début de ça, et je vais enregistrer le notebook et puis vous l'aurez. Donc, vous serez capable de refaire exactement ce qu'on a fait. On a activé notre environnement, on a installé nos différents packages, on a créé un modèle en définissant des paramètres, des variables, défini notre opération de différenciation, écrit nos équations, défini nos valeurs initiales et nos valeurs de paramètres, choisi un intervalle de temps, transformé nos équations en système qu'on peut résoudre, défini un problème avec ça, appliqué notre intégrateur numérique pour résoudre le problème, et puis fait toute une série de visualisations. Après, on a complexifié notre modèle en ajoutant des choses dedans, et puis en fait c'est comme ça qu'on va travailler beaucoup, où on va partir d'un modèle qui est simple et puis qu'on va rajouter des composantes. Donc pour la séance de théorie qui a lieu jeudi, on va partir avec un modèle très très simple d'un organisme, et puis on va lui rajouter un prédateur pour comprendre vraiment mathématiquement comment est-ce qu'on construit un modèle plus compliqué que le modèle qu'on avait au départ. Dans la vraie vie, c'est extrêmement rare qu'on arrive et qu'on se dise, on va écrire un système de 5 équations différentielles d'un coup. Souvent, la plupart du temps, c'est qu'on va concevoir notre problème en ajoutant des choses de manière successive. Et ce que ça nous permet aussi, notamment quand on est en train de programmer quelque chose, c'est d'y aller d'une façon qui est beaucoup plus étape par étape. D'abord, on vérifie que notre modèle de substrat il fonctionne. Puis on rajoute notre modèle de consommateur. Puis en fait ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la session, mais ce modèle-là, il est pris d'un article où la troisième étape, c'est de rajouter un bactériophage sur cette bactérie. Et du coup, on peut rajouter un troisième système d'équations différentielles qui vient avec plein de... Pardon, une troisième équation différentielle au système qui vient avec plein de paramètres supplémentaires et qui fait que le système, il a toute une série de comportements qui changent. Mais on peut vraiment le construire de manière incrémentale au cours du temps. Puis le dernier point, donc on a utilisé notre nouveau package Differential Equations ici, et donc ça nous a permis d'avoir, d'après les heuristiques de ce package-là, le meilleur algorithme pour résoudre le problème qu'on s'était posé. Et puis ça donnait des résultats qui étaient à peu près exactement les mêmes que ceux qu'on avait avant, simplement parce que ben, ce problème-là, il est très simple. On va voir des problèmes qui sont plus complexes. On discutera un peu de ce que ça veut dire simple et complexe à résoudre pendant la session. Mais pour l'instant, ce problème-là, il est extrêmement simple à résoudre. Ok. À ce stade-là, ce qu'on va faire, c'est je vais arrêter la diffusion. La vidéo va être sur la playlist YouTube du cours, comme ça va être le cas pour l'ensemble des séances de la première partie, la partie théorique. Une fois qu'on aura fait. Ouais, c'est ça. Et il nous reste à peu près 30 minutes. Donc, ces 30 minutes-là, on peut les passer à répondre à des questions que vous avez sur Discord. On peut essayer de voir pourquoi le problème d'où ça vient ce problème de Julia Formateur qui met 20 minutes à tourner. C'est ça. Donc, je vais arrêter la diffusion et puis je vais rester dans le groupe Discord pour les 25 prochaines minutes.